Rencontre nous avec le Conseil Université d'État, c'était vraiment une longue rencontre de 11h30 jusqu'à maintenant. Donc bon, il faut en discuter. Quand on parle de l'université, on a parlé de pays. Okay, tant vaut l'université, tant vaut la nation. Donc nous te prenons tout le temps nous ensemble avec vous discuter. Finalement, qui ça nous sorti, il y a un groupe faisant partie du Conseil de l'université qui prend responsabilité pour faire nous rencontrer demain, pour aller essayer, tenter de faire nous rencontrer demain avec les étudiants protestataires, étudiants et autres qui occupent l'espace rectorat. Nous comprenons qu'il y a des problèmes. Les problèmes sont là, mais il y a des problèmes. Nous avons profité de tout pour nous résoudre une série de bagages. Donc, nous avons profité de ça. Nous prenons là dans une opportunité parce que pour nous aider, surtout au point de vue structurel, avec l'Université d'État. Question élection dans cette université, c'est lui-même qui a problème clair. Mais il y a des gens pour arriver là-dedans. Pour arriver là-dedans, il faut qu'il y ait un règlement interne pour regarder. Il faut qu'il y ait une loi organique qui va regarder. En pile, on a parlé de eux-mêmes. Nous pensons qu'il y en a privé. Nous voulons croire que nous allons déboucher sur une solution. Tout groupe a une raison pour eux. Ils ont well comme ça, l'autre well comme ça. Mais bon bagage là. C'est que vous venez chita là. Et pendant près de 5 heures de temps, ils sont là avec nous. Nous pensons que c'était vraiment quand bien même une journée réussie, une rencontre réussie. Exercice n'est pas facile. C'est la commission éducation Sénat que moi-même, moi présidé, qui pourra jouer le rôle de médiation, ça, qui pourra jouer avec étudiants ça, pour nous, qui s'acquiert revendication et qui nous a réconcilié revendication pas avec décision. Conseil exécutif là, pour ensemble nous jouer nos solutions pour nous avancer. La vie en général est faite de compromis et de concessions. Si on ne peut pas apprendre à faire compromis et concessions, on ne peut pas avancer dans la vie.